Bonjour! Salut. Bonjour, nous sommes professionnels et courtois. Là, j'attendais de savoir c'est de quoi qu'on parle. On parle de l'album. Sur la feuille. On parle d'album, merde, je vais parler de char. En fait, je vais vous expliquer ça. On est colonie, puis présentement, on vient de terminer d'enregistrer notre album. Puis là, on va le sortir. Ouais. Ça s'appelle Colonie Slave. Fait que l'album il a été réalisé par Jeff Fortin, sauf qu'il y en a une bonne partie qu'on a faite nous-mêmes chez nous. Dans le fond, moi j'avais un studio, c'est moi qui ai enregistré toutes les guitares avec Renaud, puis la basse aussi. Puis finalement, on a tout réamplé ça avec Jeff, avec son matériel à lui, dans ses affaires à lui, pour que ça sonne la tonne de briques. Sauf que nous autres, on a été capable de commencer ça un petit peu d'avance chez nous, prendre le temps de bien faire nos guitares, de se mettre à l'aise. Ça a été vraiment cool comme ça. Et en plus, on a été capable de sauver plein d'argent. Fait que, puis Sledge aussi, ce qu'on a trouvé qui était drôle, c'est qu'en fait, ça veut dire luge. Si tu regardes le mot pour vrai, ça veut dire luge, littéralement. Littéralement, en tout cas. Au sens premier. Fait que finalement, on suffit que le monde ait un dictionnaire et que. Une tête. On comprend que ce qu'on veut dire, c'est Sledgehammer. On ne parle pas de faire de la luge sur le système. Ben, en fait, t'arrivais avec l'idée, ça serait là, t'as un gars avec un gros Sledgehammer. Fait genre quelque chose qui symbolise le système. Fait que là, on a eu des boss. Sledgehammer, on peut pas le faire parce que Peter Gabriel l'a fait il y a à peu près 30 ans. Donc, c'est un hit, tout le monde connaît ça, fait que ça avait pas de sens. Fait qu'on a, on a brainstormé autour de ça pour finir par arriver avec le concept tout simplement de sledge, qui est un mot qui existe pas, mais qui est comme. Qui est comme un verbe, c'est comme si on disait genre masse-moi ça. C'est comme pogne un ratchet, puis ratchet-moi ça. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça le point. La façon qu'on l'utilise, c'est massacre-moi ça, puis c'est ça. Puis sur la pochette de l'album, on le voit tout de suite. Puis le gars avec. Ouais, Anthony, tu peux montrer à notre généreux public. On a fait un vidéoclip de cette tune-là qu'on a lancé plutôt en 2014. Acheter l'album, il est vraiment bon. Acheter l'album, il est vraiment bon.